Bonjour, je suis Jésus Vieux, innovation leader chez Teréga Solutions. Teréga est un opérateur gazier français qui transporte du gaz naturel haute pression dans des canalisations. Nous sommes opérateurs dans le sud-ouest de la France sur 5000 km de tuyaux et nous opérons deux stockages de gaz naturel en zone aquifère. L'industrie 4.0 pour un opérateur gazier, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Nous devons accélérer notre transformation, nous devons améliorer notre impact environnemental et nous devons surtout être plus performants. On parle de performance industrielle, c'est un sujet qui est au cœur de notre activité. Et donc l'industrie 4.0, l'évolution de l'industrie et de ses outils digitaux, dernièrement, c'est fortement accéléré et donc on est vraiment impatient de voir ce que CGI va nous proposer en termes d'accompagnement sur ces sujets de performance industrielle et d'impact environnemental. Nous avons un centre de recherche et d'innovation chez Teréga qui réalise de nouveaux projets pour justement accélérer cette performance industrielle, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, je suis sûr qu'un pôle d'innovation comme celui qui est en train d'inaugurer CGI à Toulouse va nous permettre justement d'être mieux accompagnés, d'être plus reliés à des experts de l'industrie, pas seulement du digital. C'est un fossé qui s'est creusé ces dernières années entre les opérationnels, les mainteneurs, tous ces gens qui travaillent sur des chaînes de production et le monde de l'IT qui ne répond pas aux besoins justement aux besoins de temps réel de l'activité de ces gens-là. Et donc je suis persuadé que CGI va capitaliser l'activité qu'elle aura avec ses divers clients et ça certainement favorisera les propositions techniques innovantes pour notre activité à nous. On doit se préparer dans l'avenir à gérer des projets digitaux de la même façon qu'on le fait dans des projets industriels. Dans l'industrie, on a l'habitude de commencer par mesurer l'impact environnemental d'une nouvelle installation industrielle, d'une nouvelle unité de production. Et donc c'est un enjeu très important. C'est parfois un prérequis à la réalisation du projet. Et on n'avait pas ce niveau d'exigence sur la frugalité numérique. Donc aujourd'hui, l'industrie de demain va devoir présenter des bilans qui vont être évidemment sur la performance industrielle, c'est très important. Il va falloir aussi qu'elle présente un bilan sur le rendu énergétique de l'utilisation des outils digitaux. Et en ça, c'est très important de comprendre que la frugalité numérique a un impact environnemental sur le rendement de l'entreprise. Donc l'industrie de demain, pour moi, devra tenir compte énormément de ces deux aspects.